Ben, niveau 1, c'est vraiment le niveau minimal. Donc, c'est la première marche de la compétence en calcul. Ça veut dire que c'est premièrement la numération, identifier des formes géométriques, avoir une certaine compétence pour calculer la monnaie, par exemple, donc des transactions financières de base, des transactions plutôt monétaires, je dirais. Puis avoir une connaissance minimale aussi du temps et de l'espace. Donc, les heures, les minutes, les secondes, les jours, pour se débrouiller minimalement dans la vie. Mais c'est vraiment le premier niveau. Bien, ce niveau-là correspond à ce qu'on estime être nécessaire pour qu'un citoyen, un futur citoyen, puisse exercer pleinement son rôle activement dans la société. Donc, ça va lui prendre on va essayer de l'amener à être compétent à traiter des situations de finances, à être en mesure d'interpréter adéquatement des statistiques, avoir une bonne compréhension des probabilités aussi d'être au fait face à... par exemple, à la sollicitation face au jeu de hasard, tout ça. Savoir c'est quoi tes chances de gagner, tout ça. Aussi, d'avoir une bonne connaissance aussi des mesures, des dimensions, des techniques de géométrie, de comprendre les mouvements qui peuvent se passer dans l'environnement physique et d'avoir une base rudimentaire en algèbre. Parce que il y a plusieurs outils. Aujourd'hui, on parle d'Excel, des choses comme ça qui fonctionnent avec ça. Donc, c'est de comprendre, dans le fond, c'est quoi les relations entre les quantités pour être en mesure de créer des modèles qui peuvent nous servir dans notre vie. Bonjour, je m'appelle Daniel Lalande, je suis conseiller pédagogique à la Commission scolaire de la Seigneurie des Méniles et je vous présente mon milieu de travail situé au 430 Arthur Sauvé à Saint-Eustache.